aujourd'hui, on va aller se faire une petite balade du côté du Mont Faron. C'est pas vraiment une route pour faire de la ressouille ou pour poser le genou. C'est vraiment une balade avec un putain de paysage sur tout l'arsenal de Toulon, toute la rade. Bref, un truc super joli à aller voir. Et surtout, il y a un petit restaurant là-haut. Bah, il est pas très gastronomique, mais pour s'arrêter là-haut et manger un coup avec une putain de vue, c'est vraiment l'idéal. Faron, c'est la montagne qui est juste derrière en fait Toulon, qui est en face de nous là-haut. Il y a un bâtiment blanc que vous voyez où c'est le restaurant, et le bâtiment juste derrière où c'est un château, un ancien fort militaire qui est devenu un musée de la Seconde Guerre mondiale avec un tank juste devant et quelques batteries anti-aériennes qui sont entreposées dehors. Mais sinon la route, certes elle est un petit peu dégueulasse, un peu mal entretenue, mais le paysage en vaut le coup. J'avais déjà fait une vidéo en plus au Mont Faron où on était allé avec 2-3 potes et même on avait croisé un sanglier en liberté comme ça, mais qui n'avait même pas peur des humains. Donc c'est assez bizarre. Donc là c'est vraiment une balade, même pas de découverte de nouvelles routes. Et surtout un nouvel endroit pour ceux qui ne connaissent pas et qui vont sur Toulon. En plus là-haut, à part le musée qu'il y a, il y a un zoo. Eh oui. Ils ont mis un zoo tout en haut. Alors bien sûr, pour monter au Mont Faron, on peut aller en téléphérique. C'est un vieux téléphérique rouge, un peu des années 70. Ou alors par la route. Bien sûr, il n'y a que, comment dire, une seule montée, il n'y a qu'un seul endroit où on peut monter et un seul endroit où on peut descendre. C'est pas à double sens. Heureusement, parce que là-haut, c'est tellement étroit. Je suis fait une petite pause pour faire une jolie petite photo avec la titine là. Et pour vous faire voir en même temps, en face il y a le Mont Côme. Dans une autre vidéo j'étais allé là-haut, c'est très joli aussi. Bon bien sûr, tous les monts ici en fait, la route est dégueulasse mais après la vue est superbe quoi. Donc c'est le petit bémol, si la route était super bien faite, ça serait super agréable, mais là on se dit quand même qu'on habite dans une belle région.
avant qu'une autre voiture remonte. Putain, mais regardez-moi ça. Il y a toute la rade avec l'arsenal militaire de Toulon. Saint-Mandrier en face, le Cap Sissier avec de très belles routes. Peut-être Porquerolles au loin, là-bas, au fond. Ouais, c'est beau, hein. On va aller faire une petite photo, histoire de immortaliser tout ça. Comme vous voyez, vous pouvez monter avec le téléphérique qui est rouge, comme je disais. Après avoir bu un bon petit café, histoire d'en profiter un peu, comme je vous disais, à gauche là, il y a un fort militaire sur la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'en fait ça va être une espèce de vidéo genre découverte du Mont Faron. Je vais le faire vite fait parce qu'en plus je suis pas en tenue pour. Oh, j'ai peur que ça s'enfonce. On va faire confiance au gravier. Comme je disais, tout en haut, il y a un ancien fort militaire. Avec un musée de la Seconde Guerre mondiale, avec des uniformes allemands, américains et tout ça. Parce qu'il faut savoir qu'ici, il y avait eu les Allemands qui occupaient le Mont Faron. En même temps, c'était super stratégique, car d'ici, on voit de la rade et de l'autre côté. Comme ça, on pouvait voir de très loin les bateaux arriver. Et en plus, avec les putains de canons postés ici, on pouvait tirer de très loin. Je vais vous faire voir. Je dis pas j'en chie, hein, parce que en cuir comme ça. Avec un joli canon anti-aérien. Une DCA. Et de l'autre côté. De vue sur les îles, île des Ambiers, Bandol là-bas. Là on a le Mont Côme. On peut rejoindre d'ailleurs le Castellet et le Bossé en passant par là, la route qui monte vers le Mont Côme et après aller par derrière. On se demande qu'est-ce qu'il foutait dans les fougères en bas. Et alors il faut savoir aussi, si vous aimez en plus les histoires, moi j'aime bien découvrir en fait. C'est chiant un peu tout le temps des balades, un peu de découverte. Vous voyez, il y a une colline là en face avec des lotissements. Et en fait, sous cette colline, bon, c'est interdit au public, hein, mais bon, sous cette colline, il y a des tas de tunnels. C'est une ancienne cache de munitions, munitions allemandes d'ailleurs. En plus, il y a un tunnel qui s'est écroulé lors d'un assaut. Je sais plus si c'était américain ou autre. Hein. Il y a un obus qui a percuté un des tunnels et qui s'est effondré. Et depuis, il n'a jamais été réouvert. Donc pour vous dire ce qui doit rester encore en dessous. Et il y avait encore des Allemands. Mais sous ce dôme-là, sous cette petite colline en face, il y a toute une cache de munitions, plein de tunnels. Bon, ils sont vides hein, maintenant. Hein. Mais voilà. Donc pour ceux qui sont férus d'histoire, de Seconde Guerre et de toute cette guerre, grande guerre 1939-45. Oui, je compte 39 parce que Hitler a été au pouvoir en 39. C'est à partir de là que ça a commencé, on va dire. Et bien, si vous êtes féru de la Seconde Guerre mondiale, il faut venir voir ce musée. Allez, on part.
Et alors là, il faut savoir qu'il y a une chapelle qui a été construite dans une ancienne cache de munitions. Petite chapelle du Mont Faron là-bas. Et là, comme je disais aussi, il y a un zoo. Alors, je ne l'ai jamais visité, donc je ne sais pas ce qu'il vaut. Mais il y a le zoo du Mont Faron. Il faudrait que je le visite un jour, à force de passer devant. Qui est toujours actif. Il y a toujours des militaires qui sont dedans. Et je pense que je vais faire une jolie petite photo ici. Un truc intéressant là. J'avais bien vu un truc qui n'était pas naturel. Ah ouais, d'accord. 1880. Alors là, on a déjà essayé de voir ce qu'il y avait de l'autre côté. Trop petit. Y'a quelqu'un? Hop. Faut savoir que tout le Mont Faron, à mon avis, doit y avoir des putains de galeries de partout qui doit rejoindre Toulon et aller ailleurs d'ailleurs. Ça doit être des centaines de kilomètres de galeries. Allez ma vieille, on redescend. On redescend parce que ça fait chier maintenant avec les heures d'hiver là. Et ben le soleil il se couche à 17h et je sais pas qui c'est qui m'envoie des putains de messages pendant que je parle. De merde,
rien que d'avoir toute la vue comme ça, d'avoir le soleil le matin et le soir, t'as tout gagné quoi. Bon bah voilà. Je voulais changer pour une fois, que ça soit que de la balade moto. Une balade toute tranquille, mais pour faire visiter un lieu, tout simplement. Parce que je l'avais déjà fait en vidéo, mais on s'était pas arrêté pour faire voir un petit peu plus. Et comme en plus ma chaîne YouTube, c'est fait pour faire découvrir des routes, mais aussi des lieux, et ben je me suis dit, allez, pourquoi pas, il fait beau, j'allais faire visiter le Mont Faron. Comme ça, ceux qui vont rouler vers Toulon et qu'ils ont envie de voir du paysage, c'est le cas de le dire, et ben alors là, ils sont pas mécontents d'aller au Mont Faron. Peut-être que je vais faire ça des fois, au lieu d'aller très loin pour faire d'autres routes, visiter d'autres lieux tout simplement. Et puis comme ça, vous pourrez visiter si jamais vous passez par là. Allez, bah faites gaffe sur la route. Et puis bah, à une prochaine. Et au plaisir de rouler avec vous si jamais vous me demandez vous pouvez venir rouler avec moi. Ce sera un plaisir. Allez, tchuss.